Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça, ça s'appelle John. Non, non. Ah bah oui. Mais qu'est-ce que c'est au sol, là? Il y a des étuis. Écoute, regarde bien. T'as vu comment je les ai disposés? Ouais. J'ai une étoile de Satan, c'est ça? Non, pas, justement, voilà. Enfin, passons. Regarde bien comment c'est beau, puis regarde bien ce qu'il y a écrit partout. Je vois écrit Epiphone. Oui, Epiphone. Comme tout le monde peut le voir. Et je vois surtout... un petit logo. Alors, le galurin, hein, les petits os, tout qui va bien. Dis donc, on connaît ce gars. Ouais, monsieur, c'est Slash. C'est Slash. Et oui. C'est les Slash Epiphone. C'est les Slash Epiphone qui sortent aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça sort. Oui. Oh, je savais que j'ai eu raison de les sortir. En fait, je pense que c'est pas mal. T'as bien prévu le coup, toi. Bon, on les a pas ouvertes, hein. Ouais. On les a pas ouvertes. Alors, ce qu'on va faire devant vous, hein, on les ouvre. Carrément. Et c'est parti. Ouais. Et je commence par la première. Allez. Alors, c'est au hasard. Hein. Déboîtage. Alors, déboîtage. Déboîtage, unboxing. Voilà. Déboîtage, unboxing. Je préfère déboîtage. Ouais. Bon, t'es prêt, tu la vois. Vas-y. Attention. Vas-y. Boum. La tête. Nouvelle tête Epiphone avec le Truss Rod Cover Slash. On descend. Et là, paf, qu'est-ce qu'on voit? Une November Burst! Alors attends, je la prends de mes petites mains. C'est beau, hein? Là, on se voit déjà en train de faire le solo devant la chapelle en plein désert. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Les cheveux dans le vent. Ouais, hein? Bien sûr, avec l'hélico. Et on peut faire ça, évidemment, à l'île d'Ouessant. Hein, ça souffle l'hiver et on pourrait faire ça là-bas. Carrément! Faudrait faire la vidéo. Bon. Hey. Alors, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ah oui, parce qu'il y en a d'autres, et on continue. Et on continue, tu me dis quand t'es prêt, mon petit Pascal. T'es prêt? Oui, je regarde que la tête d'abord. Et attention. Anaconda. Anaconda. Paf, regarde-moi cette flammure, flammage, non, c'est beau, comme hein. Tu veux. Hey, franchement, c'est super bien. C'est joli, hein. Il y a le logo derrière la tête, hein, évidemment. Hein. Oui, on le retrouve. Voilà. Tac. Monsieur Epiphone fait assez fort. Et vous avez vu la qualité des étuis aussi. Hein. Ouais, carrément cool. Ah. Hey, vous retrouverez les prix de toutes ces demoiselles. Bah, elles seront déjà sur le site, surtout. Elles sont déjà sur le site. Allez, passage à la troisième. Tac. Oh. Ah, celle-ci, c'est un grand classique. Ah oui, mais bon. J'adore. Ta, Use Your Illusion Tour. Oh. Oui, c'est elle. Victoria. Victoria, la Victoria. Attends, je vais faire comme toi. Victoria. Bah oui. Oui. Bon, non, bon. T'as vu le truc. Bon, alors voilà, le bois et tout, c'est beau. Tac, mécanique de luxe. Franchement, là, ils font fort chez Epiphone et Monsieur Slash fait fort aussi. Je pense qu'il a mis la barre assez haut. Hein, dans les finitions et dans les specs des guitares qu'il a voulu. Hein. Allez. Parce qu'évidemment, ce ne sont pas les Américaines, les enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et je continue comme un dingue. Waouh. Bon. Celle-ci alors... aussi est très connue. Elle a plus de réputation à faire. Elle est tellement connue. C'est ma préférée, toi. C'est voilà. La pétaille. Oh, c'est beau. Ouais. Celle-ci, c'est la Sweet Child of Mine. Ouais. Plus ou moins. Oui, c'est... C'est celle qui a enregistré la pétaille, en tout cas. Hein, c'est ça. Bon, allez, c'est la dernière. Enfin, une réplique. Alors, allez, hop. Ouais. La petite Vermillion. Ça le fait, hein. Regarde ce teardrop. Regarde-moi ça un peu. Là, je suis un petit peu bluffé par... Ouais. La finition des guitares. Hein. Là, je regarde toutes les jointures et tout. C'est joli, hein. Pas à dire. On ne les a pas fait sonner, hein, je sais pas. Voilà, bah, écoute, ce sera l'occasion de faire une autre vidéo. On va faire une vidéo là-dessus, hein. Ça c'est évident, on est obligé là. Franchement, t'as vu les bestiaux, hein? Bah ouais, carrément. Hein, eh ben, tu sais quoi? Là, on a fait le déboîtage. Ouais. Maintenant, on va les coller dans un ampli. Et oui. Et on va voir si elles nous déboîtent. Les S-gourdes. Alors, si elle nous déboîte les S-gourdes, vu le prix des machins qui sont au sol, je vous explique pas, courez, précipitez-vous, faut prendre.
Ah ouais, parce que je sais pas si c'est édition limitée, mais ça va pas courir les magasins. Non, édition limitée, c'est beau, c'est bien fini. Franchement, alors là, regardez au sol, hein, tu peux faire un petit plan, un dernier petit plan. Un dernier petit plan. Pour que tout le monde voit que ces grades, eh ben, elles sont magnifiques. La petite appétite. Franchement, et les enfants, vous pouvez y aller les yeux fermés pour le moment. La pour le moment, vermilion. On va faire une vidéo avec, puisque il faut absolument voir comment ça sonne. La petite November. November. Non, non, mais c'est bien. Ouais. Et voilà, la petite anaconda. Et franchement, Epiphone et Gibson revient dans le business. Hein. Ils reviennent dans les affaires, les garçons. Bon, bon, bah voilà, monsieur. Et tu sais ce qu'on va faire là? Allez, va mettre tes cheveux. Je vais mettre des cheveux. L'autre forme. Une paire de lunettes de soleil, quelques chaînes, et puis c'est parti, on essaye. Et ciao. On est parti à Ouessant. Ouais, on est à Ouessant. Oui. Ciao.